Dans les quartiers, nous, on manque de compassion pour ce qui se passe pour la France. Mais est-ce que vous êtes dans nos foyers déjà? Est-ce que vous venez dans les foyers et voir ce qui se passe? Parce que, bien sûr, par exemple, les jeunes, ils vont pas aller dire « Oh là là, c'est dommage et tout, nanana ». Ils vont pas aller montrer forcément ce qu'ils pensent. Parce que dans tous les cas, ce qu'ils pensent, on s'en fout. On leur a bien fait comprendre qu'on s'en fout. Donc pourquoi maintenant, pourquoi quand il y a un drame, enfin un acte terroriste, là, comme par hasard, on veut qu'ils prennent la parole et qu'ils disent « Non, c'est pas bien », alors que tout le reste de l'année, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Je suis désolée, mais non, enfin, c'est vraiment hypocrite. Moi, quand je me lève, je regarde plus les informations. Parce que dès que je sors chez moi, j'ai déjà le démon. Je préfère que je me lève, je regarde les dessins animés, je regarde Denver, je suis distrait. Dès que je sors, j'ai le sourire. Parce que si je me lève et que je regarde ces chaînes de télévision, je vais sortir déjà, je vais sortir avec la boule. Que ce soit le petit facho qui est là, qui est bourré toute la journée par la télé, voilà, qui va être embobiné, baratiné toute la journée par la télé, il va sortir, il va voir la haine. Et le mec aussi, qui vit dans un ghetto, qui en a marre, qui soit stigmatisé à longueur de journée, il va sortir pareil. Il va être confronté à une personne comme ça, ça va péter. Et ça, c'est dans toute la France. On est 68 millions en France, vous imaginez? 68 millions de Français qui se tirent dans les pattes toute la journée, comment on fait? Balance pas, reste un homme. T'as le style même sans pif. Garde un œil sur la mif.